danse, voilà. Tu as ton accent et il faut danse. Oh, ça fait du bien de te voir. C'est ça, mais ben oui. Allez, ton. Oh là là. Hey, vous danserez, vous autres, hein? Vous danserez, là, vous danserez tout à l'heure. C'est fou, il est fou. Il est bon, lui. Il est doux. C'est super. Ah, mais c'est pas trop. Tu vois ce qu'il a là? Dans le coin, il y a plein de gens qui l'ont dit. Ah, j'ai vu qu'à la République, il y a un gilet jaune à la République. Ah ouais, c'est marrant. Parce que de l'autre côté, oui, de l'autre côté, de loin, tu vois juste le jaune. C'est un gilet jaune. Tu penses que c'est un gilet jaune? Oh, ce qu'il est belle! La choucroute. Ouais, à Pakistan, et même les kebabs sont meilleurs. Kebab aussi, non. Oh, ma parole. Les kebabs de chez nous, ils sont bien. Va manger un kebab là-bas, tu vas voir. Non. Ah, ouais. Ouais, ouais, attends, il est en forme. C'est de la vraie viande, de la vraie pain. Le pain. Le pain et tout est bon. Même la charcuterie, la charcuterie. Il y a tout, il y a tout. Le mec bouffe, tout. Avec ça, toi, je te donne le premier prix du déguisement. Oui, merci. J'ai le premier prix du déguisement, c'est les prix. C'est quoi ton prénom? Mado. Voilà. Premier prix. First prize winner. Non. Non, j'en ai un sous quoi. Non, c'est pas. Ah ouais. Mais il est sérieux lui. Allez stop le racisme. Qu'est-ce qu'il y a là? Hey, ce qui paraît t'as poucave hein. Pour rire. Salut. Ça va? Ouais. Rien. Oh les pontons. Oh non. Ah si. Le plus neuf, c'est peut-être le plus beau ou un des plus beaux. La bouclette, ah, elle est là, la bouclette. Ah, oui, ça nous va bien. Hein. Non, il va les couper, il va les coucher. Je vais prendre la grosse brun folle. Elle est où la banderole? On m'a dit. Ah, il est là. Je vais le donner à quelqu'un qui est. Pauvre Jésus! Ah! Mon pauvre Jésus! Sommes-nous tous sur la même terre? Non. Pas du tout. On n'est pas du tout sur la même terre. En tout cas, on n'est peut-être pas sur la même planète aussi. Oh là là, c'est vraiment joli. T'as photographié le petit prince? Ah oui, mais lui, je ne sais pas à quoi il passe ce matin. Super! Démocratie exprimée. Il y en a qui
même pas regardé. Tu penses que je dois mettre un peu plus de sang ou ça va? Oh, moi, je pense qu'il y en a pas mal. Parce que déjà, il y en a beaucoup sur les pancartes. Mais franchement, toi, t'es qui pourrait bien t'amuser. Tu vois, là-bas, t'as une petite fontaine avec de l'eau. Je marche. Ça va, ça va? Un petit pas. J'étais au métier. Voilà. Ça va, toi? Ouais. Ah, ils ont tout. Ils ont tout. Oui, ton chant est son hier. Ah ouais, mais moi quand je te vois, je pense à ça. Hein. Ah, anticapitaliste. Bonjour. À gauche, quoi, parce que sinon, ça veut dire qu'ils ont arrêté d'être. Moi,
j'ose même plus dire son nom, hein. Démission du coup. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Un petit. Et encore. Tu vois là, je vais te dire quelque chose qui connaît. C'est la musique. Quand tu l'as compté, tu vois juste les gens, tu vois pas tout. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, j'ai vu à la République, il y a le gilet jaune, parce que le gilet jaune. J'ai dit, vas-y, donne-toi le compte, dis-le. C'est très bien. Je dis que tu n'es que. Donc, c'est très connu. Bon, on est tombé par ce jusqu'à la Stalingrad. Rania, ah oui, il n'était pas tout à l'heure. Je fais pas attention. Ah, c'est Nietzsche. Mais c'est lui, depuis un moment, il est depuis un moment. Vous avez du jaune quelque part? Parce que pour marcher avec les gilets jaunes, ça prend du jaune quelque part. N'importe où. Ah oui, super. Allez, vous avez du jaune sur votre feuille. Donc on s'est bien trouvé dans les dernières années, on va pouvoir partir, parce que moi je suis en train que la police nous autorise à écrire et décoller. Donc vous voulez l'écrire, c'est pour vous. Vous pouvez aller, c'est très bien. Ah oui. Mais qu'est-ce que je fais? On partira à 15h15 sur les formations. Ah, mais je vais le filmer, tiens. 4 chaînes de formation indépendantes sur YouTube. Ça, c'est quoi? C'est Praxis. Praxis. François Boulot. C'est celui qui a défendu les gilets jaunes. Okay. C'est François Boulot. Il y a le Média, Off Investigation, Réseau Voltaire. Et l'autre, je ne l'ai pas marqué, c'est Le Monde Moderne. Le Monde Moderne aussi. Oui. Vous le gardez? Moi, non, non. Savez-vous, je l'ai filmé, là. Je l'ai filmé. Vous l'avez filmé? Puis vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre parce que moi, je ne peux pas le récupérer. D'accord. Et marquez aussi Le Monde Moderne. Le Monde Moderne, oui. Donc, je l'ai enregistré aussi. Oui, Le Monde Moderne. Parce que je suis en train de filmer. Mais je ne l'ai pas inscrit, je ne l'ai pas marqué, Le Monde Moderne. Mais vous voulez avoir un crayon? Vous avez un crayon? Les chaînes d'information et le monde moderne. Ah, si, ça c'est, comment il s'appelle là? C'est Boulot. Oui. Boulot. François Boulot. François Boulot, oui, c'est ça. François Boulot, je connais, mais je ne m'en souviens pas nécessairement, mais après, je ne savais pas que ça faisait comme ça. C'est le média d'information qui l'a créé, qui l'a développé. C'est l'avocat des gilets jaunes. C'est l'avocat des gilets jaunes. Il est de rang. Il a beaucoup défendu. Bientôt. Excusez-moi, vous allez voter pour qui? Je ne connais pas.
simplement. Allez vous. Un stop, c'est courageux. Zinebre. Zinebre Edouard. Voilà. Mortellement blessé le 1er décembre 2018 à Marseille par une grenade lacrymogène qui l'a touché en plein visage. Oh là là. Je ne veux même pas y penser. Alors qu'elle permet sa grenade. Nous ne l'oublions pas. Officiellement une, peut-être deux. Et derrière, c'est le mur jaune. Oh là là. J'ai filmé, mais je regarde pas. Je le sens rarement, c'est bien, mais aujourd'hui. Oh. Ouais, tu me disais pour à plus tard. Sylvie, yeah. Sylvie Martin, faut que je m'en souvienne. J'ai mis mon gilet jaune. Donc là, touriste. Hein. Touriste. Ouais, je suis touriste. Ça va bien, toi? Violence d'État, ben oui. Ça va? Madame Moon? Moon. Ah oui, c'est Moon YOLO. Isaku Hello. Je sais pas le mémoire des noms, mais. Ah, moi aussi, c'était comme moi, moi, les blazes et tout. Oui, mais j'ai tapé un peu ton nom sur les côtés. Ah, les mutilés. Ah, tu as ton gilet ici. Là. Les mutilés pour l'exemple. Hashtag les mutilés pour l'exemple. Super. Bon, s'il voulait bien, et s'il voulait votre bien, ça se serait réveillé. Bonjour. Bonjour, ça va? Ah, c'est du travail, ça. T'as fait ça cette nuit? T'as fait ça cette nuit? Ah, bonjour. Tu vas bien? Vous pouvez nous blesser? Ah, bah non, ben, je viens, mais vous venez. Hier, j'étais pas là. Oui, hier, bah oui. En plus, je suis là, vous, hier? Ouais. Ah, ah oui. Oh, je suis là presque tous les jours. J'essaie de lire tous les mots qu'il y a sur ça. On m'attraque, on noie, on me dit. Ah, on m'attraque, on noie, on me dit, puis nous, on n'oublie pas. Justice pour tous, toutes. Ah, ben c'est beau, c'est très très beau. Ah, c'est les blessés en fait, c'est les blessés. Ah, t'as Mélanie, là c'est une autre jeune fille qui est. Je connais pas tous les prénoms. Ben, moi aussi, hein. Ça c'est Vanessa. Ça c'est Vanessa. Ah, je ne connais pas tous. En fait, ah, il y a des plus, plusieurs personnes, une dizaine de personnes qui ont été blessées dans le mouvement social des Gilets jaunes et plus globalement des personnes qui sont victimes de violences policières. Je voudrais tout d'abord leur dire mon respect et mon admiration pour ces personnes qui ont été blessées, qui ont été mutilées et pour qui un combat très 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 long s'annonce et est encore en cours. Il faut savoir que les personnes qui ont été blessées dans le cadre des Gilets jaunes et de manière plus générale les personnes victimes de violences policières, elles font face à un déni qui est très important de la part de la police, de la justice et de l'État sur leur statut de victime. Bon, ces personnes-là sont à devoir se battre pour être considérées comme des victimes, d'abord devant l'IGPN, devant la police et ensuite devant la justice et plus particulièrement également dans des recours qui visent l'État. Je voudrais juste rappeler à quel point c'est compliqué quand vous êtes victime de violences policières d'être traité
comme des coupables quand vous essayez d'engager la responsabilité pénale des policiers. C'est un élément qui doit absolument changer et avec certains confrères, on essaye d'assister le mieux qu'on peut ces personnes dans leur combat pour faire éclater la vérité. Je voudrais aussi dire que le combat est très long devant les tribunaux parce que les procédures quand elles visent des policiers sont anormalement longues. On voit très facilement, très aisément comment les personnes qui sont arrêtées lors des manifestations sont jugées de manière extrêmement rapide. Alors que pour mettre en cause un policier devant des juridictions, cela prend énormément de temps. Je voudrais aussi dire aux personnes qui ont été blessées, qui ont été mutilées, qu'il n'y a pas que la condamnation des policiers qui compte. Il faut savoir qu'il y a d'autres recours qui sont ouverts à ces personnes, et notamment des recours en responsabilité contre l'État, pour que ce soit l'État qui soit reconnu comme fautif des blessures qui ont été causées aux blessés. Ces procédures-là aussi, malheureusement, elles sont très longues, elles se mènent devant les tribunaux administratifs. Mais j'engage toutes les personnes qui ont été blessées ou les proches de ces personnes-là à se renseigner sur ces recours-là pour qu'un jour, l'État soit enfin condamné pour toutes les blessures qu'il a causées. Voilà. Donc je souhaite encore bon courage et bonne chance à toutes ces personnes-là et on s'efforcera de faire éclater la vérité. Justice pour les familles endeuillées. Il y en a quelques-uns.
Ouais, mais en termes de rythmique, c'est justice pour les sans-papiers. Justice pour les rapatriés. Justice pour les femmes endeuillées. Justice pour les familles endeuillées. Justice pour Wissam. Justice pour David. Justice pour Myriam. Justice pour Vincent. Justice pour Richard. Justice pour Lamine. Justice pour Cédric. Justice pour Adama. Justice pour tous les blessés. Justice pour Antoine. Justice pour Jérôme. Justice pour Anthony. Justice pour Lamine. Justice pour Mélanie. Justice pour Mélanie. Justice pour Vanessa. Justice pour Vanessa. Justice pour Biggie. Justice pour Biggie. Justice pour Dylan. Trop de gens malheureusement, trop de gens. Justice pour Zineb. Justice pour Steve. Non, non. On donne pas le micro, désolé. Je regretterai pas de voter pour. Ok. De pas voter pour. Justice pour Landro Patrick. Pour Landro Patrick. Justice pour Claude. Justice pour Jean-Paul. Justice pour Laurent. Justice pour tous. En vérité, on pourrait dire tous les prénoms qu'il existe sur Terre. Je pense que chaque personne, chaque prénom a été un jour endeuillé par cette police, qu'il n'existe aucun prénom. Les Paul, les Jean-Pierre, aujourd'hui tués, se font tuer par la police. Du coup, on ne va pas tarder à avancer, mais on va lancer un petit Macron, Louis XVI. Louis XVI, on t'a décapité. Macron, Macron, on peut recommencer. Louis XVI, Louis XVI. On l'a décapité. Macron, Macron, on veut recommencer. Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité. Macron, Macron, on veut recommencer. Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité. Macron, Macron, on peut recommencer. Louis XVI, Louis XVI, on t'a décapité. Macron, Macron, on peut recommencer. Ok. On va partir, ça y est. D'accord. Macron nous fait sa guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres pour changer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays, bloquer le pays. Fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Quel pays? Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres. Nous fait la guerre.